Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Planet Crafter et aujourd'hui on va s'occuper de la biodiversité de la planète. Alors j'ai déjà ajouté pas mal de ruches, je crois qu'actuellement il y en a 6. On va continuer à en faire hein, bien sûr. Je trouve des larves et puis je fais des larves de papillons également. Et alors je me suis fait un début de tour à papillons. Elle va se situer là-haut, il y a même un ascenseur pour y accéder. On va aller jeter un coup d'œil. Alors l'ascenseur il est pas pratique parce qu'il y a beaucoup d'échelles à monter. Je sais pas si on peut les relier en fait. J'ai pas essayé mais c'est vrai que à la limite ça serait mieux. On arriverait tout en haut direct. Mais je sais pas si c'est possible. Voilà la petite tour à papillons. Pour l'instant elle est comme ça. On a déjà un dôme rempli. Avec deux types de papillons. Alors c'est dommage, ça m'a refait celle-là par contre. Alors que normalement je peux en avoir d'autres. Ah ouais, d'accord, bah c'est deux fois les mêmes du coup. Ça fait deux dômes identiques, mais c'est pas grave. On va en ajouter un troisième par là dès qu'on aura de nouvelles larves. Bon, c'est sympa. Ça fait une petite déco. Il ne trouve plus les sorties. Et comme ça, ça multiplie les insectes sur la planète. Je sais pas trop comment, vu qu'ils sont dans un dôme, mais ça le fait. Alors, autre chose. On peut miser sur le générateur de soie. Mais il faut des vers à soie. Donc, je suis en train d'en faire. Peut-être qu'il y en a déjà un de prêt. Il y en a un de prêt. Ce qui fait qu'on va continuer. Alors, je crois qu'il faut de l'engrais et il faut des bactéries, il me semble. L'engrais, il doit y en avoir un qui est prêt. On va voir si on peut faire des bactéries. On pouvait faire des bactéries, parfait. Donc là, on a le deuxième qui va arriver. Voilà, j'analyse. Et c'est reparti. Il en manquera un dernier. Et on peut aussi faire avec ça les larves d'abeilles du coup. Alors ici, on fait des graines nouvelles. Là j'en suis à celle-là. Donc on pourrait miser sur ça, sauf que j'ai pas de plante Orema, il me semble pas. Oh. Des Volnus, on en avait, hein. Ah dis donc, ferme en plein air. Génial, on va faire ça. Volnus, faudrait en cueillir une. Je crois pas qu'il en reste. Volnus, il en reste pas. Et après, il y aurait... cet arbre-là. D'accord. Bah là, on va tabler sur celui-là. Ça veut dire qu'il faut que je refasse... des bactéries, pas sûr que je puisse là actuellement. Je pouvais actuellement, parfait. Je vais mettre un gaz là-dedans. Ou là-dedans. Pour voir s'il peut me faire direct. Puis la bactérie, bien sûr. Il peut me faire direct ça. Nickel. Donc j'ai mon mutagène. Ah bah parfait, dis donc. Tout va bien. On va vérifier la recette. On est tout bon. On analyse ça. Et il est parti pour me faire cette graine là. Et puis de ce côté là, j'ai récupéré un nouveau ver à soie. C'est-à-dire qu'il en manque un dernier. Et là, je pense que je vais être à court d'algues et tout. Oui, c'est ça, on va aller en chercher. Je vais voir un petit coup avant. Bon, puis il y a des messages à lire, ça j'ai laissé un petit peu en plan. Il y a aussi une fusée à faire, et puis j'aimerais bien trouver donc cette graine de fleur Bulmus. Donc
tombe dessus par hasard quand on se promène. Mais pas toujours. Elle doit être assez rare quand même. Je l'ai trouvée 2-3 fois. Ça c'est récup. On va prendre de la flotte aussi. Voilà. Alors après, je peux en prendre une dans les semoirs. Dans ça. Ouais, je peux carrément en prendre une et mettre autre chose à la place. Pour la bonne cause. Ça, on peut pas, bien sûr. Faut que j'aille chercher une autre graine. On va mettre une graine qui fournit quand même pas mal. 400 au lieu de 500. Voilà, nickel. Maintenant, les larves, elles apparaissent tout le temps, partout. Dès qu'on va quelque part. Ce qu'on veut faire, c'est remplacer aussi. Parce que j'en ai fait aucun. On veut remplacer nos semoirs d'arbres T1 par des semoirs d'arbres T2. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce qu'il faut. Je vais les collecter là un petit peu. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. Bon, normalement là, je suis prêt. Une fois que j'aurai fait des bactéries. Pour faire deux trucs comme ça. Deux T2 donc. Plus ça, il me faut de l'eau. Je sais pas si c'est intérieur ou extérieur. On va commencer par le générateur de soie. C'est intérieur. Je vais le mettre ici. Voilà. Ouvrir. Ça génère automatiquement du fil de soie. C'est parfait. Ensuite, mes arbres. Ouais, j'enlève pas les anciens. Mais des nouveaux en plus. Faut juste trouver un emplacement. Bon là c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'arbres. Mais bon, c'est pas grave. On va en placer un ici. On peut pas. Insérer une graine à l'intérieur, donc ça se met pas sur l'eau, ça. Ah, bah cool. Ouais, j'ai pas d'hydratation, je le sais. Donc si je le mets, par exemple, sur cette colline... Il va me semer des arbres, là. Oh bah, oublie pas, attends. Ouais. On va pas refaire la même... On va boiser là, le début du désert. Dépêche-toi par contre parce que... Toc, faudrait pas mourir non plus. Je vais aller boire, je vais aller manger. Ça c'est fait. Ensuite il y a la ferme. Dis donc, il y a un truc bizarre qui s'est passé là avec cette roche. Elle avait disparu. On a bu, c'est bon. Et on va aussi manger. On mange et on boit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a l'air long, ça, comme fabrication. Sinon. Ouais, je vais continuer. Bah, il faut des larves d'abeilles, hein, je crois, pour la ferme. Il me semble que c'est ça. Et les algues, c'est une dinguerie. On les use, on les use, on les use. Ah non, plus finir. Deux larves d'abeilles. Encore de l'engrais T2. L'engrais, il en reste un.
On va commencer par les larves d'abeilles, donc bah, on a besoin d'engrais. Bon, je vais m'occuper de ça. Yes! Excellent. Plus une nouvelle graine ici. Donc il faudra refaire un semoir à arbres, mais dans un premier temps, nous ce qui nous intéresse... Bah déjà, je voudrais placer ça. Je galère avec les algues. Bon, elles sont loin. Je les avais mises loin au début parce qu'il n'y avait pas d'eau par ici. Maintenant, il y en a. Donc on va mettre un peu plus proche. Directement au premier endroit où il y a de l'eau. Voilà, c'est fait. Et puis ensuite, donc, on veut une ferme. Et de nouveau, on n'a plus d'engrais. Non! Je vais voir si j'en ai laissé. J'en ai peut-être encore. On a le droit de rêver. Là-dedans. On n'a plus. Et ici, j'en ai laissé. Non plus. Est-ce qu'on peut en refaire? Je crois que non. C'est terrible. On peut plus. Qu'est-ce qu'il faut juste? Algues, soufre et ça. Alors les algues. Les algues, il y en a. Peut-être qu'il n'y a plus de soufre maintenant. Il y a aussi. Alors il n'y a plus d'aubergines. Il n'y a plus. Incroyable. Alors ça, c'est incroyable. Pénurie d'aubergines. Sérieux? Attends, il y avait un endroit où il y avait des légumes en plus. Mais a priori, ce temps est révolu. Ah, je peux fabriquer le tissu aussi maintenant. Mais je suis sûr que j'ai mis des légumes quelque part. Ou pas. Je vais devoir attendre que les aubergines poussent. C'est énorme ça. Moi qui en ai toujours eu trop. Ouais, je crois. Tristesse, on n'a pas d'aubergine. Normalement, elle pousse vite là-dedans. 75, 76. Ok. Bah, en attendant que ça pousse, on va se faire ça. On va commencer par une barre d'iridium. Ouais, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Hop. On en fait qu'une, hein. Pour l'instant. Voilà, tu m'as fait ça gentiment. Ensuite, tu me fais ça. Et tu le fais pas. Pourquoi? Pourquoi il le fait pas? Il y a tout ce qu'il faut. C'est improbable, ça. Je suis surpris. C'est tout proche, hein. Il n'y a aucun souci pour le faire. Donc j'ai pris le relais, je l'ai fait moi-même. Ensuite, la barre d'iridium, oui c'est pour le moteur. La barre d'uranium, elle est prête. L'uranium, le super alliage, le moteur. Tiens, je viens de voir un truc. Non, ça je l'ai... Ah non, filtre à eau. Ah tiens, j'avais pas vu. Permet de boire directement l'eau des lacs. Ah bah je vais le faire. Cool. Cool, cool, cool. Du tissu, je crois qu'il y en avait là. Pour une fois qu'on l'utilise, je le redis, mais c'est assez rare. Les deux trucs comme ça, le silicium, ok. Il nous attendait. Donc on va pouvoir boire l'eau des lacs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on revient à nos affaires. Avec trois circuits imprimés. Qui sont... Bah là, je crois. Ah ouais, il y avait une fusée qu'on n'avait pas envoyée. Cette affaire aussi. Donc, deuxième site de lancement. Ici. Voyons voir à quoi ça correspond.
Graines de cacao, graines de blé, d'accord. Jetons Terra disponible. Lancer une fusée commerciale. Valeur des objets. Oui, jetons Terra. Ah, faut que je leur envoie des trucs. D'accord. Drone T2. Ah bah dis donc. Excellent. Ah, je suis loin de la fin en fait, hein. Donc moi je peux leur envoyer des trucs. Ça marche. Comment je fais? Ouvrir la fusée. Je mets des choses dedans, j'envoie. Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur envoyer? Ça c'est 6 jetons, 13 jetons à moteur. Je vais peut-être faire des moteurs et leur envoyer ces 13 jetons le moteur. C'est plutôt rentable. Surtout que j'ai encore ça. Je vais faire un stock de moteurs. En commençant par faire des barres. Normalement, je peux en faire deux. Je pense pas que je puisse en faire trois là avec ce que j'avais vu, mais par contre, je peux aller en chercher. Voilà, c'est ça, je peux pas. Là, je suis de moteur déjà. C'est vrai, faut rester appuyé. Je suis de moteur, je les mets dedans. Et du coup, on a un petit peu perdu ce qu'on faisait, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, je vais aller relever l'iridium. Ah ouais, je peux envoyer plein de trucs en fait. Je vais pas relever avec ça. La mémoire de poisson rouge en action. Je sais plus ce que j'attendais. Ouais, j'attendais l'engrais. Et yes, c'est ça. Elles ont poussé. Donc l'engrais, c'est bon. C'est pas bon. J'ai plus d'algues. Si. Des fois, ce truc-là, il me semble un petit peu miteux. Attends, t'as deux aubergines, t'as tout ce qu'il faut à côté de toi. Je vais les faire moi-même alors. Y a plus de soufre, c'est moi qui l'ai. Autant pour moi. Il aurait mieux fait de se taire. Donc là, on est prêt pour notre ferme cette fois. Yes. J'ai toujours rêvé d'avoir une ferme comme ça. La place manque. Mon endroit est vallonné. Mes arbres ont poussé, regardez là-bas. Et on va continuer à en faire pousser. Là, c'est un bel endroit pour une ferme. Ah, c'est tout petit. Ok. Donc, on a une ferme. Ouvrir. Est-ce que la ferme fait pousser des trucs? Je ne pense pas. Est-ce que je peux faire pousser des trucs dans la ferme? Non. Est-ce que c'est les graines habituelles? Que j'ai pas usé depuis un moment. Genre ce type de graines là. Je vais prendre deux types de graines. Je pensais plutôt aubergine, tout ça. Ou carrément encore autre chose. Pour l'instant, il y a des mauvaises herbes dans ma ferme. Aubergine, ok. Eh bah ben, cool. Donc là, ça va en donner plus. Logiquement. Je vais aller boire. On avait dit on faisait des fusées pour envoyer ça au centre commercial. J'ai posé juste l'eau. Et je voudrais bien planter cette graine d'arbre ensuite. Donc faudrait refaire encore une fois.
Un semoir. Problème. Ouais, c'est l'engrais T2 surtout. L'engrais T2, c'est un petit peu long à faire, surtout qu'actuellement, on n'a pas ce qu'il faut. Donc je vais poser en attendant, je vais aller chercher mon iridium. On va continuer quand même avec les fusées. On va poser là, histoire de récupérer vite. Et on va voir comment ça évolue, tiens, avec ce qu'on a fait déjà. Ça a l'air d'être pas mal. On pourrait renvoyer des fusées aussi pour accentuer l'ensemble des choses. Là, on est à 3, c'est-à-dire encore très loin de ça. Ça, c'est fini. Ça, je l'ai pas fait. Faut peut-être y penser quand même. Téléporteur. Téléporteur, c'est pour bientôt. Bon, je vais là-bas et je vous montre parce que là, c'est vraiment impressionnant ce qu'on récolte. Ça va nous permettre de faire plein de moteurs. Regardez-moi ça. Il y a toujours un lag quand on approche de ce truc-là. Ah, tu m'as pas gâté, toi, par contre. Ouais, tant pis. J'ai emmené ça déjà. Au passage, on va tester pour boire dans le lac. Génial. C'est bon. Elle est bonne. Je valide. De retour pour préparer des fusées. Donc je ramène tout ça. Alors maintenant, quand j'ai des surplus, je m'embête plus, je les balance là-dedans. Parce que j'en ai beaucoup quand même. Du coup, hop, on est reparti sur de la barre. Et puis, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait sinon ? L'écran de biomasse, c'était fait. Ces écrans-là, je pense que c'est bon. Ouais, il y avait la fameuse fusée qu'on n'avait pas faite, là. On a fait tout le reste, sinon, je pense. Tu m'en as fait que deux. T'as fait deux moteurs de plus. Ah, il y a l'uranium à relever aussi. Ça fait pas mal de jetons hein, là déjà. J'aimerais bien qu'elle soit entièrement remplie quand on l'envoie. Ah non, bah jette pas ton moteur, t'es fou quoi. Ça coûte vraiment très cher. Valeur actuelle de l'inventaire 52. On n'a pas mieux de toute façon. Hein. Ah non, le moteur c'est. Des autres trucs à faire. Donc bah, on va se pencher là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore relever. Encore relever partout. Pour pouvoir en faire plus. Ouh, téléporteur. On a le téléporteur. Ah, c'est génial ça. Ah, c'est génial. Ah, ça va me changer la vie quand même. Bon, on va faire le téléporteur là après. Le truc, c'est que je me concentrais là actuellement sur faire le prochain semoir d'arbres T2. Et puis, il y a une fusée à faire. Des moteurs à continuer à faire. Ah, à chaque fois il manque un truc, c'est les courges là. Je pense jamais aux courges. Terrible ça. Donc là pour ce semoir là, on est bon à peu près partout. Ah, l'écorce on l'utilise beaucoup finalement. Au départ t'as l'impression que non et au final, bah si. Donc là je suis de mieux en mieux. Je prends ça plus le dernier comme ça. D'ailleurs on va virer celle là. Ah ouais, il y a une autre graine. Bah c'était cette graine là hein, je crois que je voulais planter. Carrément, c'était celle là
Je suis pas sûr d'avoir besoin de tout ça, par contre. Là, je suis bon. Où est-ce qu'on va mettre nos nouveaux arbres? Regardez, les anciens. Oula, faut boire. Un lac, vite. Faut utiliser ce qu'on a, hein. Mais on va aller voir notre forêt. Elle a l'air un peu grillée. Peut-être qu'il fait trop chaud dans le désert. Ah bah ça hydrate pas beaucoup par contre. Faut boire plusieurs fois. Il va vider ses lacs à force de boire. Regardez ça, cette forêt désertique. On a cet autre là. Pas mal. On va réavancer un peu vers notre base. On gagne du terrain sur le désert. Présentoir à papillons. Waouh, ça va être beau ça. Cadeau. Un petit présentoir à papillons. Ça doit être dans les meubles. Mettez une larve de papillon à l'intérieur pour voir le papillon correspondant. Que c'est beau. Alors la déco là, franchement, je l'ai pas beaucoup fait. Pour le moment. C'était pas ma priorité. Là, ma priorité, ça va être plutôt de faire mes téléporteurs. Et donc, il faut que je retrouve du zéolite. Le reste, j'ai. On regarde où on en est. Ok. Donc, du zéolite. Zut. Il y a toujours un truc comme ça. Mais à la fin, on se téléportera à peu près partout. Je vais en foutre partout des téléporteurs. Là, c'est terminé de voyager comme ça. On se téléporte. Bah écoutez, j'ai cherché du zéolite. J'en ai trouvé, mais j'ai aussi trouvé des trucs de dingue. Et puis, je me suis rendu compte que l'endroit où j'habite est peut-être le plus moche de la planète. Tellement il y a des merveilles à droite et à gauche. Mais ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que mon endroit moche, bah, je le rends beau en ajoutant des trucs. En faisant pousser des arbres, des fleurs, etc. C'est ça qui est original. Cool, ça en donne 4, 5, 6. Wow. Je peux pas les récupérer. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, c'est juste fou. Tout ça. Avec des barres d'osmium. Je peux même pas encore les faire. Donc, merci. Merci le jeu. 100 jetons. Tranquille. Ce truc là, il va vraiment falloir que je me penche sur l'optimisateur là. Je le ferai la prochaine fois. Car j'ai des choses pour optimiser. Ah oui, dis donc. 2500 jetons. Waouh. Et on se fait chier avec des moteurs. Incroyable. La claque. Alors des barres de super alliage, ça devient le truc banal, quoi. Et... toc. Ok. Alors j'ai un moteur, du coup, que je peux envoyer. Bon, je vais rester sur mon idée des moteurs, malgré tout. Et puis, bien sûr, en route, bah, j'ai oublié ce que je voulais faire. Non, c'était ça. Ouais, donc, ok. On va en poser deux. On va en poser deux, déjà. Ce sera déjà bien. Pour relier deux endroits. Ah, c'est cool. On va pouvoir se téléporter de la base à un autre endroit. C'est beau, ça. Bien parce que j'avais eu des météorites de pulsar là. C'était bien pratique. Donc le premier, je vais le mettre là. Voilà. Je vais aussi me nourrir. Ça serait bien. Tuk tuk, il est là.
Je vais poser des trucs peut-être. Ah, du coup, j'ai aussi récupéré des super engrais et tout. Même trop de choses en fait que je vais pas pouvoir ranger, je vais galérer. Bon, il y a une fusée, on va aller la poser. Ah bah, il y avait des trucs là-dedans. D'accord. On comprend mieux pourquoi le machin il trouve pas quand il doit faire. Garanti n'importe comment. Attends, je vais te mettre là-dedans, toi. On t'utilisera un de ces quatre. Ah, puis il y en a encore une en trop. Zut. On la rangera ailleurs. Mes aubergines, au moins je peux les ranger quelque part. Oui. Ouf! Ça nous fait vraiment de la place. Plus ça comme ça. Donc on a l'autre téléporteur. On a du zéolite en rab. On sent le gars qui déteste ranger. Alors, on va aller se téléporter. Bah dans la zone Iridium. Iridium, ça permet d'aller chercher aussi soufre, ferme à papillon, et puis également là-bas l'alu, l'aluminium. Donc on va mettre un téléporteur pour cette zone-là, quoi. On va pas être trop gourmand non plus. Ce qui serait bien, c'est de le mettre là où il y a déjà un habitacle. Donc peut-être augmenter la taille de cet habitacle. Parce que j'ai pas l'impression que ça passe comme ça. Wow, attention. Toujours le même lag. Là pour l'instant, je vais pas prendre l'iridium. Pour une fois que j'ai besoin de fer et tout, il n'y en a pas. Voilà, pour augmenter la surface là-bas. Parce que là, c'est assez central. Au loin, on aperçoit mes collecteurs d'alu. Puis derrière, il y a l'iridium et le soufre. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Génial. Il me reste ça. Je vais mettre le moteur. Moteur à vendre. On va envoyer une fusée quand même. Regarde juste 2 secondes la ferme à papier. Moi, qu'est-ce qu'il faut? On a tout. C'est incroyable. On va la faire direct. Utiliser. Allô, base. Ah bah, c'est carrément mieux comme ça. J'ai toujours voulu faire ça. Et du coup. On regarde. Ah ouais. Oh bah aussi. Il faudra sûrement mettre un truc dedans. Ouais, une larve. Faut balancer une larve dedans. Pour faire une dernière étape. Aujourd'hui, avant d'envoyer une fusée, refaire une larve. Pendant ce temps-là, je préparerai justement des fusées. Et donc, il faut une larve rare. Mutagène et engrais. Une larve rare, j'en ai peut-être encore une, mais je suis pas sûr. Il faut faire du mutagène. Et de l'engrais. Tu es rare, tu n'es pas rare. Personne n'est rare ici. Bon, je vais une nouvelle fois chercher tout ça. La dernière fois pour aujourd'hui. Yes! Elle est prête. Ça a été vite. Ça a été très très vite. Ferme à papillon. Toc. Prospérez. Allez-y, envahissez la planète. Ah ouais, il y a mes aubergines là-bas, la ferme, faut que j'y pense. Bon, faut peut-être pas faire comme ça, mais. Moi, je peux en faire autant que je veux hein, maintenant.
Et pour tester, puis j'en envoie un, j'en ai plusieurs. 2500 jetons quand même. Donc ça veut dire que là on a 2600. Et donc est-ce qu'on peut acheter direct des trucs? Ah ouais. Ouais. D'accord. Bon alors après c'est plus cher. Mais ça, bah comme j'ai commencé à m'y intéresser, j'échange un comme ça contre un comme ça que je n'ai jamais trouvé, un fusible de pression comme ça. Je vais mettre des optimisateurs. Ah mais il veut pas parce que j'ai pas encore reçu le fric, c'est ça? Ok, donc j'envoie dès que j'ai le fric. Dès que j'ai le fric, je peux. Je crois. Faut attendre, sûrement, il y aura un timer, j'imagine. Adieu, mes trucs. Ouais, il y a un timer. Ok. Bah écoutez. On va s'arrêter là, c'était très long comme épisode. Il ne le sera pas en fait parce que j'ai beaucoup de coupes à faire, mais maintenant, pour progresser, il faut attendre longtemps. Regardez ma belle forêt. Moi, je me donne comme mission de fleurir ce vaste désert. J'ai bien commencé déjà, mais je vais poursuivre. Il sera recouvert de plantes à la fin. Là-bas, ça n'a pas trop marché, mais... On a un arbre maigrichon qui pousse de temps en temps. C'est tout. Mais peut-être qu'on pourrait mettre un T2 pour voir si ça fait mieux. Eh ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt. Allez, salut!